are gathered before you. Nous sommes réunis en ta présence. Unto you shall the gathering of your people be. À toi, toute la réunion de ton peuple soit. Therefore, receive all the praise. Donc, reçois toute la louange. Receive all the glory. Reçois toute la gloire. Give us understanding today. Donne-nous de comprendre aujourd'hui. That we might understand your word. Afin que nous puissions comprendre ta parole. Commune with us. Viens communier avec nous. Between the wings of the cherubim. Parmi les ailes des chérubins. Speak to us. Parle à nos cœurs. Let our hearts be open. Que nos cœurs soient ouverts. Let our inner ears be open. Que nos entendements intérieurs soient ouverts. Let all encumbrances go away. Que tout ce qui peut être une embûche parte. Let the people be free. Que le peuple soit libre. To listen to God. Qu'il soit libre d'écouter la parole de Dieu. To hear His voice. Entendre la voix de Dieu. To understand it. De comprendre. So that they can run their race well. Afin qu'ils puissent continuer la marche. Make it unto the fullness. Qu'ils puissent atteindre la perfection. Thank you, Father. Merci, Père. In Jesus Christ's name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You know, when I look at the hall. Oui, quand je vois la salle. There appear to be more people here than on this side. Il semble avoir plus de personnes ici que de ce côté. But the mirror here makes it look like these people are more in number. Mais le miroir donne l'impression que ce peuple est plus nombreux. Hallelujah. Today, aujourd'hui, I want to take a look at a very unique subject. Je veux regarder un sujet très unique. To me, it is one of the most important themes. Pour moi, c'est l'un des thèmes les plus importants that the church of God can take. Que le peuple de Dieu peut avoir. Hallelujah. It is what I call marriage in the kingdom economy. C'est ce que j'appelle mariage dans l'économie du royaume. Marriage is very important. Le mariage est très important. In the divine economy. Dans l'économie divine. Especially in these last days. Spécialement dans ces temps de la fin. Because the church is in the very last days. Parce que l'église est dans les temps de la fin. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The age of the church is coming to a close. L'âge de l'église est en train de tirer vers sa fin. Amen. And God must find a people. Et Dieu doit trouver un peuple that will come forth in the fullness of Christ. Qui va atteindre la perfection de Christ. This is the very time. C'est ce temps-là that God must find that body of people. Donc c'est ce temps que Dieu doit trouver ce peuple. He is not going to wait for another generation. Il ne va pas attendre une autre génération. That is our prayer. C'est notre prière. Amen. Amen. So I want us to listen very attentively. Donc je veux que nous écoutions très attentivement. Why is marriage so important at this time? Pourquoi le mariage est très important en ces temps-ci? Those who are married must make sure that they achieve the purpose of marriage in their homes. Ceux qui sont mariés doivent s'assurer qu'ils atteignent le but du mariage dans leur maison. Amen. Amen. And those who are not married must seek to be married properly. Et ceux qui ne sont pas mariés doivent chercher à se marier de façon correcte. Amen. Amen. And we are going to find out today the reason why. Et nous allons voir aujourd'hui la raison. C'est la raison pour laquelle nous disons cela. Let's turn to Genesis chapter 2. Allons voir dans Genèse chapitre 2. Amen. Amen. In Genesis chapter 2 from verse 18. Genèse chapitre 2 à partir du verset 18. Through 25. I would like him to read it in the French. And then we are going to take it up from there. Genèse chapitre 2 à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Il va le dire en français, je lis. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait.
et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel dit, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et le ferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. And we say amen. Amen. Let's take one more scripture to put this particular passage in context. Prenons encore un autre verset pour mettre ce passage là dans le contexte. Turn to Matthew chapter 19. Alors voilà Matthieu chapitre 19. Matthew 19. Matthieu. I'll read it from verse 1 to 12. Read it in the French again. À partir du verset 1 au verset 12. Yes. Matthieu chapitre 19. It was a discourse that Jesus Christ had. C'est une discussion que Jésus-Christ a eue. Alléluia. Chapter 1 to chapter 19, oh, sorry, verse 1 to 12. To 12. Yes. Je lis du verset 1 au verset 12. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Car il y a les eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Amen. All right. So, we see something unique here. Nous voyons quelque chose d'unique ici. Marriage was ordained by God. Le mariage a été ordonné par Dieu. So, from the beginning, the concept of a man and a woman coming together came from God. Donc, depuis le début, depuis le commencement, le concept que l'homme et la femme doivent venir ensemble, cela a été donné par Dieu. As human beings, comme des humains, we do not do things just for doing sake. We always have a reason for doing whatever we do. En tant qu'homme, nous ne faisons pas les choses pour une raison, rien que pour le faire, mais nous le faisons parce qu'il y a un but à cela. Solomon said in Ecclesiastes chapter 6 that to everything under the sun there is a purpose. Et Salomon a dit dans Ecclesiastes chapitre 6 qu'il y a un but, il y a un but sur toute chose. Pour toutes choses sur la terre. There's a reason why God designed everything He designed. Il y a une raison pour laquelle Dieu a
mis en place les choses qu'il a mis en place. So, in creation, everything is sacred. Donc, dans la création, toute chose est sacrée. Because God had a reason for making everything the way he made them. Parce que Dieu a une raison de faire, il a une raison pour laquelle il a fait ces choses. Like I always say, God made a man like this. We have two legs, two hands, a head, eyes in front. There's a reason God made us like this. Comme je le dis toujours, Dieu a fait l'homme avec deux pieds, deux bras, une tête, un nez, avec des yeux, deux yeux. Hallelujah. Amen. How come you don't have eyes on your legs? Pourquoi est-ce que tu n'as pas les yeux sur ton pied? Or mouth at the back. Et la bouche dans le dos. Or your nose on top of your head. Ou bien le nez sur la tête. God had a reason for doing things the way he did them. Dieu a une raison d'avoir fait ces choses là, de la manière dont il les fait, il les a faites. So when God ordained marriage, there was a reason for it. Donc quand Dieu a ordonné le mariage, il y a une raison pour cela. I want to look at four reasons God ordained marriage. Je veux que nous regardons quatre raisons pour lesquelles Dieu a ordonné le mariage. Number one. Premièrement, marriage was meant for companionship. Le mariage a été donné pour la communion, pour companionship. Yeah. Companionship. Pour la relation, pour la communion. Yeah. Now, go back to Genesis. Alors, regardez dans Genèse. Amen. In Genesis chapter 2, Genèse chapitre 2, from verse 18, God said, it is not good for man to be alone. Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Now, for God to say this, he knew what he was saying. Pour que Dieu le dise, il sait pourquoi il le disait. God knew what it meant to be alone. Dieu sait qu'est-ce que cela veut dire d'être seul. Only God can be alone. Seulement Dieu peut être seul. Every other thing he makes needs a companion. Tout ce qu'il a fait après a besoin d'un compagnon. God knows that everything he made, if he made them alone, they will have problems. Il sait que si tout ce qu'il a fait, s'il l'avait fait seulement de façon seule, il aurait un problème. And so he decided to make companionship a big reason. Donc il a donc mis en place la compagnie. Remember that God is alone. Rappelez-vous que Dieu est seul. There's no other God. Il n'y a pas un autre Dieu. There's only one God. Il n'y a seulement qu'un seul Dieu. Everything in creation came from him. Tout dans la création est venu de lui. He has no brother, he has no sister. Il n'a pas de frère ni de sœur. He has no father, he has no mother. Il n'a ni père ni mère. Hallelujah. Amen. He is all by himself. Il existe de lui-même. In the beginning, God. Au commencement, Dieu. Hallelujah. Amen. There's nothing else outside of him. Il n'y a pas autre chose en dehors de lui. There is no outside of God. Il n'y a rien d'autre au-delà de Dieu. God fills all things. Dieu remplit toutes choses. All things dwell in God. Et toutes choses habitent en Dieu. Do you understand that? Est-ce que vous comprenez cela? Hallelujah. Amen. Now follow me closely. Suivez-moi très attentivement. When God said it is not good for man to be alone, he knew what he was saying. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, il sait pourquoi il le disait. He is alone. Lui, il est seul. Because he is God. Parce qu'il est Dieu. He handles that very well. Il gère cela très bien. Amen. Why do you think God decided to create the universe? Pourquoi croyez-vous que Dieu a décidé de créer l'univers? And create everything that we see. Et a décidé de créer tout ce que nous voyons. Because parce que he understands. Parce qu'il comprend. It is not good. Il n'est pas bon. To be alone. Il n'est pas bon d'être seul. So he now made man. Et donc il a créé l'homme. He said it is not good. Et il dit il n'est pas bon. And if God says something is not good. Et si Dieu dit que quelque chose n'est pas bon. No, there's no amount of philosophy that can make it good. Il n'y a pas donc une philosophie qui peut envoyer cela, qui peut rendre cela bon. Hallelujah. Amen. It's not good that the man should be alone. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. For this reason, his way of solving the problem of loneliness for man was that I will make him an help suitable for him.
Donc, pour lui permettre donc, de résoudre le problème de la solitude de l'homme, il dit qu'il va créer un homme, il va créer quelqu'un, il va créer un autre, un homme qui lui soit semblable. Do you understand it? Yeah. Hallelujah. Amen. That is God's way of solving loneliness. Ça, c'est la manière pour Dieu de résoudre le problème de la solitude. And out of the ground, the Lord God formed the beasts of the field and the fowls of the air. God made every other thing, but there was no companion found for man from among them. Et Dieu a fait Dieu a créé toutes choses, mais il n'a pas trouvé un compagnon, il n'a pas trouvé un être semblable à l'homme parmi tout ce qu'il a créé. Amen. Amen. And so, God put Adam to sleep. Et donc Dieu a donné le sommeil à Adam. And he took one of his ribs. Et il a pris une de ses côtes. And created the woman. Et il a créé la femme. Amen. Amen. And to tell you, Adam was really lonely. Pour vous dire jusqu'à quel point Adam était vraiment seul. He named all the animals. Il a nommé tous les animaux. He named all the beasts. Il a nommé toutes les bêtes. And he was never excited with any of them. Et il n'était pas excité, il n'était pas en joie avec n'importe lequel d'entre eux. But when the woman came, mais quand la femme est venue, God brought the woman to him. Dieu a envoyé la femme à lui. The man was excited. Il était excité. He began to prophesy. Il a commencé à prophétiser. He said, "This is bone of my bones and flesh of my flesh." Il dit, ceci est l'os de mes os et la chair de ma chair. Hallelujah. All the men who are here, how did you find your wife? Tous les hommes qui sont ici, comment vous avez trouvé votre femme? You met all the girls. Vous avez rencontré toutes les filles. None of them made you prophesy. Aucune d'entre elles ne vous a fait prophétiser. But the day you found this woman, mais le jour que vous avez trouvé votre femme, all of a sudden the anointing came. Soudainement l'onction est venue. And you began to prophesy. Et vous avez commencé à prophétiser. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Well, you will say, so what was my prophecy? Et vous allez dire, mais quelle était ma prophétie? You will say exactly what Adam said. Tu disais exactement ce que Adam dit. When you go to meet a woman and you say, marry me. Quand tu vas voir une femme et tu dis, épouse-moi. You are telling her this, bone of my bone, flesh of my flesh. Quand vous allez dire, os de mon os, os de mes os, chair de ma chair. You prophesy. Tu prophétises. Hallelujah. Amen. Adam even took his own father. He was so excited. Adam était tellement excité, il allait même plus loin. So for this reason, I command from today, men will leave their fathers and their mothers and be joined to their wives, and they will become one flesh. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Hallelujah. Amen. And the Bible says, et la Bible dit, the two of them were naked in the garden. Et les deux étaient nus dans le jardin. And they were not embarrassed. Et ils n'étaient pas embarrassés. There are a few signs. Il n'avait point honte. That makes you know. Il y a un signe qui vous permet de comprendre. That the woman you just encountered. Que il y a cette femme que vous venez de rencontrer. Among all the other women. Parmi toutes les autres femmes. That is your wife. Celle-là est votre femme. Number one. Premièrement. There is going to be an excitement inside your. Premièrement, il aura une excitation dans ton cœur. About that woman. Concernant cette femme. She may not be perfect. Elle peut ne pas être parfaite. But any time you look at her, mais chaque fois que tu la vois, there's excitement inside of you. Il y a une excitation en toi. Amen. Amen. And you say, that's her. Tu dis, c'est elle. That's the one. C'est elle. The time I met my wife, quand j'ai rencontré ma femme, I went to preach in her school. Je suis allé prêcher dans son école. Hallelujah. And at that time, et à ce temps-là, she was at the College of Education. Elle était dans le collège de l'enseignement. And I went there to preach. Et je suis allé dans ce collège pour enseigner. And I was ministering to people in a straight line. Et j'étais en train de prêcher à des peuples qui étaient dans une qui étaient en ligne. Amen. And the last thing on my mind.
Et la dernière chose dans ma pensée. As a minister of the gospel, under the anointing, the last thing on my mind was marriage. La dernière chose, en fait, la dernière chose auquel je pouvais penser en tant que ministère, en tant que prédicateur, la dernière chose c'était le mariage. Because when ministering, one thing that we focus on is how to get the anointing to continue to flow. Parce que en tant que ministre du Seigneur, la chose qui nous préoccupe, c'est comment recevoir l'onction de Dieu pour continuer de faire le ministère. And then this woman, this lady came on the line. Et donc cette jeune fille est venue s'est approchée de la, elle est venue dans le rang. And she told me that she stammered. I will ask those I want to pray for, what is the problem? And they will say, and she said, I stammer, I can't talk well. And I want to preach. Elle s'est approchée et ceux qui étaient devant, je lui ai demandé quel est le problème que vous avez pour que je puisse prier pour vous. Et elle dit qu'elle n'arrive pas à bien respirer. Hallelujah. Amen. And then I placed my hand on her and said, be healed in the name of Jesus. And I put my hand inside my coat pocket and brought out tracts and gave her. Et j'ai mis ma main, je l'ai posé la main, j'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Et j'ai mis ma main dans ma poche, j'ai sorti une brochure biblique et je lui ai donné la brochure. I said, go and preach, you will not stammer again. Et j'ai dit, va et prêche. Go and preach. Yeah, to go and preach, yes. Va, prêche, tu ne vas plus avoir de problème de respiration. And that was the last time I saw her. C'est la dernière fois que je l'avais vue. But for some reason, something of the picture of her registered inside my mind. Pour une raison ou une autre, l'image que j'ai vue d'elle a été enregistrée dans ma pensée. I was still remembering the shirt, the skirt she wore, the blouse she wore, how they looked like on her. Je continue de me rappeler le vêtement qu'elle a porté, la couleur, comment cela se présentait sur elle. Hallelujah. Hallelujah. Now, here was I, under a very serious atmosphere. Et voici où j'étais, sous une atmosphère très sérieuse. And that day I must have ministered to over 100 ladies. Ce jour-là, j'ai prêché pour à peu près 100 personnes, 100 jeunes filles. But that was the only person I could remember what she wore. Mais c'est la seule fille que je pouvais, dont je pouvais me rappeler ce qu'elle avait porté. Hallelujah. About 8 years later. 8 ans après. When I was not praying for a wife. Au moment où je suis en train de prier pour une femme. Amen. That picture came to my mind. Cette image est venue dans ma pensée. For 8 years. Pour 8 ans. The picture of this lady was in my mind. L'image de cette fille était dans mes pensées. When I pray for a wife, I'll see that picture. Quand je prie pour une femme, je vois cette image. Hallelujah. Yeah. Of course, I knew that was not lost. I know the difference between that and lust. Je sais que ça, ce n'était pas la convoitise. Je connais bien la différence entre la convoitise et l'amour d'une femme. What happened to Adam was what was happening to me. Ce qui s'est passé chez Adam, c'est ce qui s'est God brought him. Dieu l'a envoyé. And I was saying, this is flesh of my flesh, bone of my bone. Et je dis, celle-là, c'est la chair, l'os de mon os, la chair de ma chair. Hallelujah. Amen. So, companionship. When she came, Adam was happy. And that was the only thing that made him so joyful that he prophesied. La compagnie, ça c'est la chose que Adam a vue et il était excité, il a commencé à prophétiser. That is one big sign for those who are saying, how do I know that's my wife? Or how do I know that's my husband? Ça c'est un grand signe pour ceux qui se disent, comment je peux savoir que celle-là c'est ma femme? Comment je peux savoir que celle-là c'est mon mari? Amen. He may not have all the money. Il peut ne pas avoir tout l'argent qu'il faut. She may not have all the pictures you have, you know, made up for yourself. Elle peut ne pas avoir toute l'image que tu t'es mise dans la tête pour une femme. But something inside your heart says, that's the one. Mais quelque chose en toi te dit, c'est elle. There's a joy inside of you. Il y a une joie en toi. That is the one. Oui, c'est elle. Hallelujah. Amen. So companionship is crucial. Donc la compagnie est très cruciale. There is psychological healing when you have a companion, somebody by your side, somebody with you, somebody who is your friend all the time. Il y a une guérison psychologique lorsque tu as quelqu'un qui est à tes côtés,
quelqu'un qui est avec toi tout le temps. In companionship, these are some of the factors in companionship. C'est l'un des facteurs qu'il y a dans la compagnie. Number one, friendship. Premièrement, l'amitié. A companion must be a friend. Une compagnie doit être un ami. You are comfortable to be with your friend. Tu es confortable d'être avec ton ami. You are never tired of being with your friend. Tu n'es jamais fatigué d'être avec ton ami. Before I married, I had some very close friends. Avant de me marier, j'avais un ami très proche. Now, we as young men, we will go to each other's house, we will cook and eat, we will go to the other person, we will cook and eat. Oui, il y avait plusieurs amis. En tant que jeune, on va chez l'un, on mange, on prépare, on mange, on va chez l'autre, on prépare, on mange. You know, in Africa, we have a culture. Very good culture. Vous savez, en Afrique, nous avons une culture, une très bonne culture. If somebody visits you, si quelqu'un te rend visite, when he's going, quand il va, you escort them, isn't it? Tu l'accompagnes, n'est-ce pas? The white man doesn't have that culture. Le blanc n'a pas cette culture. If you visit the white man, si tu visites un blanc, when you are going out, he will open the door for you. Au moment où tu vas, il ouvre la porte et il ferme sa porte. But in Africa, we don't do that. Mais en Afrique, on ne fait pas cela. We will follow the person outside. On va accompagner la personne dehors. We walk them to their car. On va l'accompagner jusqu'à sa voiture. We didn't have cars in those days. On n'avait pas de voiture en ce temps-là. So this is how we were living in the same estate. This friend of mine. Cet ami intime, on vivait dans le même district. And when he visits me, quand il me rend visite, we will talk scriptures, discuss the Bible, and spend hours together. On va passer du temps à parler de la parole de Dieu. He will say, okay, I want to go home. Et il dit, je vais aller à la maison. I will escort him. Je vais l'accompagner. We will be talking. On va continuer de parler. I will get to his house. On va arriver chez lui à la maison. We will enter inside his house and sit down. On va aller chez lui, entrer chez lui et s'asseoir. And talk for a while. On va parler encore. I will say, well, I want to go home. Et je lui dis, oh, je vais à la maison. He will escort me. Il va m'accompagner. We will go to my house. On arrive chez moi. One particular day, we had to at one point say, look, at the middle of the day, okay, you go to your house, I go to my house. Un de ces jours, au milieu du chemin, j'ai dit, écoute, je pense que toi, va chez toi à la maison. Moi, je vais chez toi. Because we were not married. Oui, parce qu'on était we lonely. So, on était seuls. We wanted to be around each other all the time. Oui, on voulait être ensemble tout le temps. And we were both senior staff of the steel company where we worked. Et on était tous deux dans une position de senior dans une compagnie d'acier. On avait un big house. Il avait une grande maison. He had a big house. Et lui aussi avait une grande maison. We had no wives. Et on n'avait pas de femmes. And we were Christians, so we had no girlfriends. Et on était chrétiens, donc on n'avait pas de copains. So, de copines plutôt. Yeah. So it was just between us. So that's how we wanted to be around each other, to keep each other company. Because when we come together, we discuss, we talk. On voulait toujours rester ensemble parce que quand on est ensemble, on discute, on parle. We were friends. On était des amis. We looked out for each other. On se suivait l'un et l'autre. Amen. Amen. The second factor in companionship is fellowship. Le deuxième élément dans la compagnie, c'est la communion. There's communion. Une communion. You communicate. On communie. You discuss matters. On parle le sujet. Amen. You unburden your heart. Et on découvre nos cœurs. Hallelujah. On se décharge. My wife is now my best friend. Ma femme est maintenant mon meilleur ami. And I am I'm building up now when I get home. Je suis en train d'économiser quand je vais arriver à la maison. In September. En septembre. All the stories that happened while I was away, I will have to sit down and listen to them. Toute l'histoire que elle a quand je n'étais pas là, je vais m'asseoir et elle va me raconter tout cela. When I call her on the phone now, we will talk and talk. She will be falling asleep and I will be telling her head, did you hear what I said? Quand je l'appelle, nous allons parler. À un moment donné, elle sera en train de s'endormir. Je vais dire, hey, est-ce que tu comprends bien ce que j'ai entendu te dire? Hallelujah. There's discussion. You are able to communicate. You must have fellowship with your friend. On doit avoir une communion avec notre
Amen. 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 And you know, sisters have a way of, when they are free with you, they can talk. Et les sœurs, lorsque elles ont ce sujet-là, en tout cas, elles peuvent parler, elles peuvent parler. Men don't talk that way. Les hommes ne parlent pas beaucoup. Amen. Amen. But you act, it's the way a lady is wired. You must allow her to express her mind. C'est comme ça qu'une femme a été faite. Tu dois la laisser s'exprimer sa pensée. She is in a better shape psychologically when she is able to express her mind and do so freely in her own language, in her own vocabulary. Elle est psychologiquement bien disposée lorsque tu lui donnes l'occasion de parler, de s'exprimer dans son propre langage. If your wife is careful when in your presence and will not talk because she doesn't want to offend you, something is wrong. Si ta femme fais attention parce qu'elle s'est dit qu'elle ne veut pas te dire quelque chose pour ne pas t'offenser. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. She should be able to say the way she feels inside, whether it is offensive or not. Elle doit être capable de le dire tel qu'elle le sent, que ce soit pour t'offenser ou pas. You cannot say no. That one was not good. Don't say like that again. But this is what I understand what you are saying. Tu ne vas pas dire. Ce que tu as dit, ça je ne veux pas, je n'aime pas, faut pas le dire comme ça. Mais tu peux dire, ah oui, je comprends ce que tu as dit. I will tell us later why you need to do that as men. Je vais vous le dire, je vais vous dire pourquoi, plus tard je vais vous dire pourquoi on devait le faire en tant qu'homme. And why you need to sit down and allow your wife to talk. Et pourquoi vous devez vous asseoir et permettre à votre femme de parler. Amen. You need your woman to be in a good psychological state. Tu dois voir ta femme être dans une position psychologique, une bonne position, disposition psychologique. When your wife is psychologically balanced, si ta femme est équilibrée psychologiquement, your children will have very good personality. Tes enfants vont avoir une très bonne personnalité. If she is afraid, she is insecure. Si elle a peur, elle est insécure, elle n'est pas dans la sécurité. Your children will be insecure and afraid all the time. They appear, they won't be having that dominating factor among their peers. Ces enfants n'auront pas cette disposition de sécurité au milieu de leurs amis. When you find children who act the way outside, when playing with their mates, children who act, you know, fearful. Quand vous voyez des enfants qui ont peur lorsqu'ils jouent avec leurs amis dehors, look at their mother. Regardez bien leur mère. Praise the name of the Lord. Amen. The first personality women. Children pick is from their mother. La première personnalité que les enfants prennent, ils le prennent de leur mère. If your children can't take charge, you are not treating your wife well. Si tes enfants ne peuvent pas prendre des responsabilités, c'est que tu ne traites pas bien ta femme. Because when your wife can take charge at home, your children will be taking charge outside when they are playing with their mates. Parce que si ta femme peut prendre des responsabilités à la maison, les enfants aussi, quand ils vont jouer avec leurs amis, ils pourront prendre des responsabilités. So God wanted a man to have a friend. Donc Dieu voulait que l'homme ait un ami. A friend he can fellowship with. Une amie avec laquelle il pourra avoir une communion. Oh, you need to see when I am talking with my wife. Vous devez voir quand je parle, quand je parle avec ma femme. I never have time to say much. J'ai pas beaucoup de temps de dire beaucoup. J'ai pas le temps pour dire beaucoup. Because she wants to say her own. Parce que elle veut dire pour elle. I went to the market. Je suis allé au marché. On the way, I stopped and bought fuel. Et sur le chemin, je me suis arrêté pour prendre du carburant. And when I came down from the car, et quand je suis venu du véhicule, the tank refused to open. Le réservoir s'est pas ouvert. I've forgotten how to open it. J'ai oublié comment ouvrir le réservoir. I've received phone calls like that before. Je me suis dit, so where is the I said, but that's your car. J'ai déjà reçu un appel comme ça. Il me dit, ah, mais où est-ce qu'on ouvre le réservoir de carburant? Mais c'est ta voiture. No matter how you feel, there's no need for it. If she feels there's need to say it, allow her to say it. Peu importe comment tu vas te sentir, si elle sent qu'elle a besoin de dire ça, permets-lui de dire cela. You know, people ask me. Souvent, les gens me demandent. Now I have three children. J'ai trois enfants. When they went to secondary school, quand ils sont allés, first of all, in primary school, they all won awards. D'abord, au primaire, ils étaient tous excellents. When they went to secondary school,
Père sont allés au secondaire. They all went to the same secondary school. Ils sont allés dans same high school. Tous ensemble dans la même école secondaire. My first son was the college head boy. Mon premier garçon. Of the school. Mon premier garçon était le meilleur de l'école. When he left, quand il a quitté, his twin siblings entered that class. Ses soeurs jumelles sont entrées dans cette classe. The girl became the college head girl. La fille est devenue la première de son école. And the boy became the labor prefect of the house. Et le garçon, that dormitory. Le garçon est devenu le responsable du dortoir. So they're asking me, how did you do it? How did your children all become prefects and governing people in the school? All of them. Comment tous tes enfants deviennent des responsables dans l'église et plutôt dans l'école et dirigent plein de positions de dirigeants? I normally tell them it's their mother. Et je leur dis généralement c'est leur mère. She has a very good personality. Elle a une très bonne personnalité. Because as a husband, I allowed her to express herself. Parce que en tant que homme, en tant que son mari, je la laisse s'exprimer. And it reflects on the personality of the children. Et cela se reflète dans la personnalité des enfants. When they gather together with other children, quand ils se réunissent avec leurs amis, before you know what is happening, avant que vous ne sachiez ce qui se passe, the other children are asking my junior, so what do we do? Avant que vous ne sachiez ce qui se passe, les autres vont dire à son fils, oh, qu'est-ce qu'on fait? Hallelujah. Because of the personality. Be a friend to your wife. À cause de cette personnalité, sois un ami à ta femme. Amen. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. I think I've emphasized that. Oh, je pense que j'ai dit suffisamment. This is the first purpose of marriage. C'est le premier but du mariage. For those who are already married, pour ceux qui sont déjà mariés, befriend your wife. Sois ami avec ta femme. If she is not your best friend now. Si ce n'est pas ton meilleur ami maintenant, il faut qu'elle le soit. Hallelujah. And for those of you who are not married yet, et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, the man or the woman you want to marry, make sure it's somebody you can be free with as your friend. La femme ou l'homme que tu vas épouser, sois sûr que c'est quelqu'un que tu veux avoir la liberté de lui parler en tant qu'un ami. Because after marriage, parce qu'après le mariage, if your husband is not your best friend, si ton mari n'est pas ton meilleur ami, you have another best friend outside. Que tu as un autre meilleur ami dehors, it's a big problem. C'est un grand problème. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. The second reason for marriage. La deuxième raison pour le mariage. Moral purity on the earth. C'est pour avoir une purité morale sur la terre. Amen. Amen. Now you see animals. Vous voyez les animaux. They don't care. Ils s'en foutent. When the moment the male see a female, they are mounting them. Quand ils voient un mâle voit une femelle. Il va s'accoupler avec elle. If among goats, you will see a small goat even mounting its own mother. Parmi les moutons, les brebis, vous allez voir les chèvres. Vous allez voir même le mâle va aller chercher à s'accoupler avec sa mère. So, there's no law, no rule, nothing. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle. But mankind is different. Mais l'homme est différent. There will be genetic problems if that happens among men and women. Il aura un problème génétique si cela se passe parmi les hommes. That's why God put a law. C'est pour ça que Dieu a mis une loi. You are not to have, you know, sexual relations with your brother or your sister or your mother or your father. It's forbidden. Il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec son frère, sa soeur, avec son père et ta mère. So, God, there will be problem on the earth. Il y aura des problèmes sur la terre. For animals, there's no problem. They are animals. Pour les animaux, il n'y a pas de problème, ce sont les animaux. But for mankind, mais pour l'homme, God decided there will be purity. Dieu a décidé qu'il doit avoir
la purité. So that his purposes on earth can be served. Afin que son but sur la terre puisse être accompli. And so he instituted marriage. Et donc il a institué le mariage. When you find that man or that woman that is your spouse, stick to them. Quand tu vois cette femme ou tu vois cet homme qui est ton épouse ou bien ton époux, reste avec lui ou avec elle. Let's take a scripture reading. Prenons l'écriture pour lire. Hallelujah. Go to 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Hallelujah. Amen. Now concerning the things whereof you wrote to me, it is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and every woman have her own husband. Verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Hallelujah. This is so cool. Ça, c'est très intéressant. Amen. Amen. Now, look at this. God said to avoid fornication. God does not want fornication on the earth. Oui, Dieu dit pour éviter la fornication. Dieu ne veut pas avoir la fornication sur la terre. He said, let every man have his own wife. Il dit que chaque homme ait sa propre femme. I want you to underline that, underscore the word own. Je veux que vous preniez soin de regarder ce qui est son propre. This is my own Bible. Cela est ma propre Bible. Amen. Is this your Bible? Est-ce que c'est ta Bible? Who is the Lord of this? C'est à qui? Who is the Lord of this one? That's mine, isn't it? Est-ce que c'est à toi? Non, c'est à moi. Is this your Bible? Est-ce que c'est à toi? Is this your Bible? This is mine. C'est à moi. You understand that? Now, God said, every man should have his own wife. Et Dieu dit, chaque homme doit avoir sa propre femme. There's a couple I know. Il y a un couple que je connais. You know why what the woman calls her husband? Vous savez comment la femme appelle son mari? My own. Tu es à moi. That's the name. À moi. You know, some people say darling. Certaines personnes disent chérie. Some say honey. D'autres disent miel. But this one calls her husband my own. Mais elle appelle son mari. And it is coming from 1 Corinthians chapter 7. Et elle le prend à partir de 1 Corinthiens chapitre 7. Let every man have his own wife. When you own something, it belongs to you and to you alone. Quand quelque chose t'appartient, cela t'appartient à toi et à toi seul. The Greek word for own means something you cannot share with somebody else. Le terme grec qui signifie ici à moi, ça veut dire quelque chose que tu ne peux pas partager avec quelqu'un d'autre. Something that belongs to you alone. Quelque chose qui t'appartient à toi seul. And cannot be shared between you and somebody else. Et qui ne peut pas être partagé entre toi et quelqu'un d'autre. Let every man have his own wife. Que chacun ait sa propre femme. Every woman have her own husband. Et que chaque femme ait son propre mari. And when you have this union. Et quand vous avez cette union. Go to Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 13 verse 4 says that when you are in this kind of relationship, the bed is undefiled. Hébreux chapitre 13 dit que lorsque tu es dans ce type de relation, le lit conjugal n'est pas souillé. From chapter 4, actually chapter 13 verse 4. Hébreux chapitre 13 le verset 4. From verse 4. À partir du verset 4. Marriage is honorable. And the bed undefiled. But fornicators and adulterers, God will judge. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tout souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hallelujah. So, once you have found your own wife, quand tu as trouvé ta propre femme, your own husband, ton propre mari, the bed is undefiled. Le lit conjugal n'a pas de n'est pas suivi. By the word bed, here it means your sexual act is permitted. There is no sin. There is no defilement in it. Le terme non souillure
Ne pas sujet ici, ça veut dire que la relation sexuelle que vous avez n'a pas est autorisée, est permise, il n'y a pas de souillure. What God wants is purity on the earth. Ce que Dieu veut, c'est la purité sur la terre. Some people have the idea that God does not want men and women to have sex together. Il y a des gens qui ont l'idée selon laquelle ils ne veulent pas que Dieu dit que l'homme ne doit pas avoir des relations sexuelles avec une femme. No, that's not correct. Non, God wants it. C'est pas correct. Dieu le veut. Dieu veut cela. God expects it. Dieu espère cela. But he wants it to be within the confines of marriage. Mais il veut que cela soit mis dans le contexte du mariage. Once you're married, quand tu es marié, if you like, you want to have sex 20 times a day, praise God. Si tu veux avoir les relations sexuelles 20 fois dans la journée, gloire à Dieu. Anywhere you want, if you want to do it in the kitchen, in the bedroom, on the floor, in the roof, anywhere, as long as it's not in the open place, no problem. Si tu veux le faire dans la douche, dans les toilettes, dans la cuisine, dans la chambre, tu as dit, shower, dans les toilettes, dans la douche, tu es libre de le faire, pourvu que ça ne soit pas fait de façon ouverte. That is to let us know that God is not saying there's nothing. Sex is not supposed to be a bad thing. Ça c'est pour dire que Dieu n'est pas en train de voir le sexe comme quelque chose de mauvais. It is holy. C'est saint. It is pure. C'est pur. But it must be within marriage. Mais cela doit se faire dans le mariage. Outside of marriage, it's a problem. En dehors du mariage, c'est un problème. It will draw the judgment of God. Ça envoie le jugement de Dieu. Do you know why it is such a big? Because some people cannot understand why God is so angry when it is not on, you know, on marriage. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que Dieu est fâché lorsque ce n'est pas dans le mariage. Let me give you two reasons. Je vais vous donner deux raisons. Number one. Premièrement, God is interested in the purity of your lineage. Dieu s'intéresse à la pureté de ta généalogie. God wants a man to know who his father is. Dieu veut que l'homme sache qui est son père. He banned bastards in the Old Testament. Bastards are banned in the house of God. Oui, les gens, les bâtards, les gens qui n'ont pas de, qui ne connaissent pas leurs parents, leurs pères, sont mis de côté dans la maison de Dieu. They were not allowed in Israel. Ils sont pas autorisés en Israël. If you can't trace a man's father, then he cannot be a priest. He cannot function in anything. He is put aside as unholy. Si on ne peut pas identifier le père de quelqu'un, cette personne ne peut pas être un sacrificateur, il ne peut pas fonctionner, il est carrément mis de côté dans la maison de Dieu. In Ezra and Nehemiah, there was a time they returned to the promised land. En Ezra et en Néhémie, and they were looking for pure. Some people said they are from the tribe of Levi. Dans Néhémie et Ezra, il y a un peuple qui ont été nés en Israël et ils disent qu'ils sont de la tribu de Lévi. And so they said, okay, who is your father? On dit, bon, écoutez, qui est votre père? They said, we are not sure. Et dit, ah, on n'est pas très sûr. So God said, you cannot function in the priest, as priests. Et Dieu dit donc, vous ne pouvez pas fonctionner en tant que sacrificateur. Until a high priest that has the Urim and the Thummim comes. Jusqu'à ce que le souverain sacrificateur qui a l'Urim et le Thummim vienne. Then he can see through the eyes of God and tell you who your father is. Et il pourra voir selon la divinité de Dieu et dit qui est votre père effectivement. Because when a man and a woman begins to relate sexually when they are not married, children might come. Parce que quand les hommes ont des relations sexuelles, même quand il n'y a pas le mariage, les enfants vont venir. And such children will have problems. Et ces enfants-là auront des problèmes. Because you don't know their father. Parce qu'on ne connaît pas leur père. The only thing we are sure in childbearing is mother. La chose dont on est sûr pour la naissance d'un enfant, c'est sa mère. On est sûr que c'est sa mère. You understand that? But the father. Mais le père. Only the woman can tell. C'est seulement la femme qui peut dire qui est son père. Sometimes the woman does not even know if she was going around with more than one person at the same time.
Souvent même la mère ne sait même pas qui est le vrai père si elle va avec des hommes, plusieurs hommes dans le même dans la même période. Dans le même So it is very dangerous for a woman to not stick to one man. Donc il est très dangereux pour une femme de ne pas être attachée à un homme. Because the process of pregnancy does not give you notice. Parce que le processus de la grossesse ne te donne pas, ne te déclenche pas, ne t'avertit pas. Does it notify you? Il ne t'avertit pas d'avant. You discover she's pregnant. Tu découvres tout soudainement que tu es enceinte. Who is the person? Qui est la personne? Hey, I'm not sure. Is it John? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est John? Or is it Peter? Ou bien est-ce que c'est Pierre? Or is it Paul? Ou bien est-ce que c'est Paul? And then when you have the kind of trouble that thing causes is too much. Ce type de trouble que cela engendre est trop. So God made a law: stick to one man, stick to one woman. Et donc Dieu a mis la loi: soit attaché à une femme, soit attaché à un homme. Number two reason. Deuxième raison. Why the sin of fornication is so bad before God? Pourquoi est-ce que le péché de la fornication est mauvais devant Dieu? Is that sex is the instrument of reproduction? Parce que en fait, le sexe est un instrument de reproduction. And reproduction is becoming a co-creator with God. Reproduction is co-creating. Oui, la reproduction est le fait de créer together with God. Le fait de créer avec Dieu. Ensemble, créer avec Dieu quelque chose. Only God creates. Seulement Dieu crée. But through marriage, He gives you a power of attorney to create, to make. Donc, à travers le mariage, il te donne le pouvoir de pouvoir créer aussi. It's a holy act. C'est un acte saint. Bringing another human being to life. Envoyer un autre humain. Yeshua.